On va faire une petite perle. On chauffe juste le bout, hein. Regardez. Juste le bout, un peu. On le met dans pendant deux secondes dans la flamme. Vous posez. Et vous tournez deux fois. Une fois. Deux fois. Et vous tirez vers vous, comme ça. Voilà, tu fais ça, fais tourner 90 degrés comme ça. On tourne tout doucement, tout doucement. Et là, on tire vers soi et c'est bon. On repasse dans la flamme, on continue à tourner. Il faut toujours tourner. L'important, c'est de ne pas oublier deux choses. Il ne faut jamais mettre le cuivre dans la flamme. Il faut toujours tenir la baguette horizontale. Ah, anta mon nalega. Mon nalega, mon nalega. Le son commence à rentrer. Ouais. Comme mon nalega quoi. Ah, gisne rona de. Waaw, ça passe pas que le vocal. Tout une. Bah, déjà ce que Moulay fait, c'est tellement important même pour les grands parce que moi c'est la première fois que je vois de mes yeux comment on fait une perle. Et depuis que je suis née, mes parents portaient des perles. On est quand même d'une famille de bijoutiers, comme il l'a dit, des gnégnons, les familles de bijoutiers. On a toujours vu faire la bijouterie, on a toujours porté. Moi, j'ai beaucoup de perles, mais je n'ai jamais vu comment on le fait. Déjà, il nous a aidés sur le plan curiosité de l'adulte. Tu vois, tous les gens qui viennent, qui visitent, qui disent « mais c'est pas possible, c'est comme ça qu'on fait les perles ».
Mais c'est un métier aussi. Ça peut être un métier pour un enfant ou deux ou dix ici, pourquoi pas. C'est un métier. La perle, et ils font la décoration avec la peinture. Mais ça, l'original, tout est en vert. Ils mettent d'abord blanc, ils mettent bleu. Oui. Sur le bleu, ils mettent du blanc encore. Oui. Et sur le blanc, ils mettent du rouge. Ah, sur oui. le rouge, ils mettent du blanc encore. Et enfin, ils mettent du bleu transparent en haut. Alors, on ne voit pas les couleurs. Oui. Mais il y a une sorte de lime où ils font passer, c'est-à-dire ça rabote. Oui, ça est en train de rabote. Et les couleurs sortent. C'est comme ça qu'ils font l'original. Mais sauf que si Venise, ils disent qu'il ne faut pas que les autres sachent. Nous, c'est trop tard, hein? On sait maintenant. Donc je trouve que c'est important, il faut que ça se développe. C'est vrai que c'est bien de garder secret des choses qu'on aime bien, mais pas s'enfermer complètement. Il faut ouvrir une petite brèche de temps en temps. Parce que dans la vie, je crois que quand on partage, vous savez, sa maman, ma tante Hadi, si elle avait déposé là où elle devait pour dire que j'ai une licence, personne d'autre ne doit faire les poupées noires, les poupées africaines. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent de ça aujourd'hui, qui sauront jamais faire ça ou qui vont faire n'importe quoi. Mais elle a toujours dit, jamais je vais dire, il n'y a que moi qui va faire ce métier. Donc elle a ouvert sa porte, elle a dit, celui qui peut profiter de ce que j'ai créé, c'est extraordinaire. S'il en fait son métier, c'est bien. Si tu en fais du business, c'est très bien. Au moins, tu fais vivre une famille, tu as un métier, tu as de l'occupation importante. Donc, Mama Khadi Kiam, elle aurait pu, si elle avait déposé une licence pour dire que personne ne fait ses poupées, il n'y en aura pas dans le monde, après sa mort. Je peux te la faire. Je peux te la faire.
Sono nato qui, sono tornato qui e mi sento immigrato a casa. Perché già per solo una domanda, quando la gente mi dice quando rientri a casa, io intendo o penso che la domanda era quando ritornerò qui. Mi dicono no, quando torni a casa tua in Italia. Dopo 20 anni in Europa, uno cosa deve fare? In che casa deve tornare?